Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler avec cette EDS, dite EDS d'Holstein-Ulenbeek. Les EDS d'Holstein-Ulenbeek sont très célèbres et très utiles, notamment pour la modélisation des taux d'intérêt. Comme ça, on a des exemples de modèles taux d'intérêt, à savoir le modèle de Vassisek, qui sont des particularités des modèles d'Holstein-Ulenbeek. Aujourd'hui, nous avons une EDS, nous avons un processus d'Holstein-Ulenbeek modélisé par une EDS à volatilité constante égale à 1. Son coefficient de la dérive, ici c'est A, voilà sa fonction de la dérive, c'est A facteur de θ moins xt. Alors, comment faire pour résoudre cette EDS? La technique, elle est simple, il suffira de construire un processus de transformation, utiliser la formule du taux et aboutir au résultat. Donc, déjà, on a x0 égale à petit x0p presque sûrement, ça garantit déjà la présence d'une condition initiale. Donc, premièrement, on va déterminer le processus de transformation, le processus de transformation. Donc, ici, nous allons poser yt égale à f de txt, n'est-ce pas, égale à xt exponentielle at, comme ceci. Ou a, ici, c'est ce même a là. Donc, pour mieux manipuler la fonction f, nous pouvons supposer que c'est simplement f de tx égale à x exponentielle at, simplement. On suppose comme ceci. Pour mieux la manipuler, pour essayer de faire les dérivés là-dessus. Donc, en deux, on va utiliser la fonction, la formule du taux. Déjà, il faudrait savoir que la fonction f, elle n'est pas prise au hasard. N'est-ce pas? Avec beaucoup d'entraînement, lorsqu'on aura un processus en face, on saura quel type de fonction utiliser. Nous avons fait une vidéo sur les équations de Black and Scholes, nous avons plutôt pris la fonction de transformation ln de st, là-bas, donc ln de x, on peut dire comme ça. Ici, on va prendre x exponentielle at. Tout ce qu'il faudrait essayer de vérifier, c'est que cette fonction doit être en fait C1,2, doit appartenir à C1,2 de 0t croix r. C'est-à-dire qu'elle doit être une fois différenciable et différenciée continue par rapport à t, et deux fois différenciable et différenciée continue par rapport à x. C'est tout ce qu'il faut essayer de vérifier. Ensuite, au niveau de la formule du taux, on rappelle, on sait que c'est df égale à dérivée partielle par rapport à tf fois dt plus dérivée partielle f fois dxt plus 1 demi de la dérivée, n'est-ce pas, carré de f dxt carré. J'avais dit qu'on pouvait écrire dxt carré ou alors dxt scalaire dxt, qui est encore dxt fois dxt, donc dxt carré, ça ne dérange pas. Mais en fait, le carré, il faut savoir qu'il est partout là, comme ceci. Ce n'est pas dxt qui est au carré simplement. Donc, on va donc avoir des calculs intermédiaires. Donc, dérivée donc de f par rapport à t, ça me donne exactement qu'est-ce qu'on obtient. On obtient, si on dérive cette fonction par rapport à t, on obtient ax, parce que x là sera comme une constante. X est comme une constante, on aura ax exponentielle at. Si on dérive donc la même fonction par rapport à x, simplement, on aura exponentielle at. Et si on dérive ceci par rapport à x, on aura dx carré, n'est-ce pas, f de t x, qui sera égal à 0. Pourquoi? Parce que cette fonction ne dépend plus de x. Donc, si on dérive encore ceci par rapport à x, ceci est vu comme une constante. Donc, on trouve 0. Donc, au moment de remplacer là, qu'est-ce que nous aurons? Qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons df égale à ceci, c'est ax, mais puisqu'on a dxt là, c'est-à-dire qu'on se met en chaque t, en chaque t on a une variable aléatoire, on revient de la variable aléatoire, on aura donc a, au lieu d'écrire x, on va plutôt écrire xt
exponentielle at, n'est-ce pas, dt, plus ceci, c'est ceci, c'est exponentielle at, dxt. Dxt, vous rappelez que dxt que voici, c'est là. C'est le même dxt là. Donc, c'est donc toute cette valeur-ci qu'on va déposer là. C'est donc a facteur de θ moins xt dt plus d bt. Plus, bien sûr, 1 demi fois 0 fois dxt carré. Mais 0 fois 1, non, c'est 0. Donc, on a 1 demi fois 0 fois dxt carré. Mais dxt carré, c'est en fait, on a déjà vu comment calculer ça dans la vidéo, sur la vidéo où on travaille avec les cosinus de Black and Scholes. On voit que dxt carré, ce sera simplement dt. Ce sera dt dans ce cas, puisqu'on aura dt scalaire dt qui donnera 0, dt scalaire dbt 0 et dbt scalaire dbt qui donnera 1. 1 fois dt donne dt. Donc ça fait 1 demi fois 0 fois ceci, donc ça fait 0. Pas besoin d'écrire. Donc par la suite, nous aurons donc, c'est-à-dire un développement nous permet d'avoir a xt exponentielle at dt plus a theta exponentielle at dt moins a xt exponentielle at dt plus exponentielle at dbt. Donc on développe ça, ça et ça, fois theta fois dt, on obtient ceci, ça et ça, fois a fois dt, on obtient ceci. Donc, on a ceci et ça qui vont disparaître. Donc, df devient a theta exponentielle at dt plus exponentielle at dbt. Petit rappel, f de t xt était égal à xt exponentielle at. Ça, c'est un petit rappel. Pourquoi le rappel? Parce que là, à ce niveau, on va intégrer entre 0 et t. Donc, on intègre de là, on intègre de part et d'autre. Intégrale entre 0 et t de df s xs égale l'intégrale 0 et t à θ exponentielle a s ds plus intégrale de 0 à t exponentielle a s db s. Ici, l'intégrale de 0 à t df x s xs, c'est simplement f en cette valeur, non en t, c'est-à-dire f t xt moins f en cette valeur, c'est-à-dire 0, f de 0 x0 égale a theta est une constante. On aura a theta intégrale de 0 à t exponentielle a s ds plus l'intégrale de 0 à t exponentielle a s db dbs. On va continuer là en haut. C'est pas, on continue à ce niveau. On va effacer ici. Ok. Alors, pourquoi est-ce qu'on a rappelé ceci? Pourquoi est-ce qu'on a rappelé que f de t, x, t, c'était x, t, exponentiel à t? Parce qu'on va rappeler ça là. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'on a x, t, exponentiel à t, moins, en 0, f de 0, x, 0. Ça veut dire qu'on remplace partout à t par 0. Ça donne x, 0, exponentiel à a fois 0. A fois 0, c'est 0. Donc, ça fait x, 0, exponentiel 0, égale à a theta. L'intégrale de 0 à t exponentielle as, c'est une intégrale simple, non? Ça fait 1 sur a exponentielle as entre 0 et t, tout simplement. Et là, on va laisser ça comme ceci. Là derrière, on laisse ça comme ça. L'intégrale de 0 à t exponentielle as dbs, parce que c'est une intégrale stochastique. On la calcule pas n'importe comment. Or, à ce niveau, on peut se rappeler, on se rappelle que grand x0 c'était petit x0 et exponentielle de 0 c'est 1. Donc ça fait
nous restons avec xt exponentielle at moins petit x0 égale à, les a ici vont se simplifier, il va rester theta, n'est-ce pas, facteur de exponentielle at moins exponentielle a fois 0, c'est-à-dire 0, plus l'intégrale de 0 à t exponentielle as db dbs. N'est-ce pas? On fait passer petit 0 de l'autre côté. Ça veut dire qu'on a xt exponentielle at égale à x0 plus theta facteur d'exponentielle at moins 1. Parce que l'exponentielle 0 c'est 1. Plus intégrale de 0 à t exponentielle as dbs. Puisque on veut la solution de cette ds, donc on veut en fait trouver xt. Puisqu'il faut, ici, il faut rappeler que la solution de l'EDS, dxt égale à a facteur theta moins xt dt plus dbt, la solution de cette EDS c'est xt. Donc il faut trouver xt. On va multiplier ici et ici, donc de part et d'autre, par exponentielle moins at. N'est-ce pas? Donc on va multiplier ici et ici, donc là, par exponentielle moins at, et tout ceci par exponentielle moins at. Ça fait qu'on a exponentielle moins at fois exponentielle at qui donne exponentielle moins at plus at qui donne exponentielle 0. Parce qu'on sait que exponentielle a fois exponentielle b, c'est exponentielle a plus b. Donc dans ce cas de figure, nous aurons exponentielle moins at plus at qui donne exponentielle 0 qui donne 1. 1 fois xt, reste simplement xt. Donc ici, nous aurons xt égale, c'est exponentielle moins t, il va entrer partout là, multiplie tout le monde ici. Nous aurons x0 exponentielle moins t plus theta, il multiplie ça à l'intérieur. Donc exponentielle at, pour exponentielle moins t ça fait 1, pour ça fait exponentielle 0, moins exponentielle moins t, n'est-ce pas, plus l'intégrale de 0 à t, regarde ce qui se passe, exponentielle moins t, que voici, donc exponentielle moins at que voici, multiplie toute l'intégrale ici. Comme exponentielle moins at dépend de t, or ce qui a l'intérieur dépend de c'est plutôt une fonction de s, ça veut dire que exponentielle moins at est une constante dans cette intégrale ci, donc ça peut entrer, ça peut passer sous le signe intégral. Donc on va avoir ici simplement exponentielle a s facteur de voilà, fois exponentielle moins at qui est entré sans problème dbs, n'est-ce pas, il est entré sans problème là, il est passé sous le signe intégral. On va conclure donc que xt c'est x0 exponentielle moins at plus theta facteur de 1 moins exponentielle moins at, n'est-ce pas, plus l'intégrale de 0 à t, ça fait exponentielle as moins at. Donc exponentielle, on met a en facteur, facteur de s moins t dbs. Donc voilà donc la solution de cette ds, c'est cette quantité-ci. Et en cette solution, on peut trouver l'espérance et même la variance de ce processus, tout simplement. On peut trouver l'espérance et même la variance de ce processus. Donc, on va rappeler deux petites notions, deux petites propriétés. Si on a une variable aléatoire x, n'est-ce pas, ou alors un processus stochastique xt. Parce que si on a un processus stochastique xt, alors xt comme ceci, pour chaque t sans parenthèse, est une variable aléatoire. Petite remarque, xt entre parenthèses comme ceci, c'est un processus stochastique. Mais xt comme ceci, pour chaque t, est une variable aléatoire. Donc si on a xt, si on a xt, variable aléatoire, et on a alpha, une constante, alors espérance de xt, n'est-ce pas, plus alpha, donne exactement espérance de xt plus alpha. Tout simplement. C'est une propriété à noter. Vous pouvez noter quelque part. De même, c'est-à-dire par la même occasion, variance de xt plus alpha sera simplement variance
de xt. Parce que la variance d'une forme quadratique, elle ne va pas tenir compte de ce facteur-ci. Si alpha est un nombre, la variance de xt plus alpha, exactement, c'est la variance de xt. Et qu'on ne considère pas la variance de ce nombre. Ça va donner 0 en fait. Donc, voilà deux petites propriétés. Donc, dans ce cas, on va utiliser ces propriétés pour trouver l'espérance du processus et voilà, du processus XT qui vérifie la dynamique d'un Hochstein-Uhlenbeck. Donc, premièrement, espérance mathématique. Espérance donc de XT sera espérance de tout ce paquet-ci. X0 exponentielle moins AT plus θ facteur de 1 moins exponentielle moins AT plus l'intégrale de 0 à T exponentielle A facteur de S moins T dB dBS. On sait que ceci, ça fait espérance de A, de alpha. C'est un nombre, ce n'est pas un processus parce qu'il y a un aléatoire ici. Plus B, donc espérance de alpha plus XT. Ceci est vu comme un processus. Pourquoi? Parce qu'on a le brownien là. Donc ceci est aléatoire, alors que ceci est déterministe. Ça veut dire que ça fait alpha plus espérance de XT. La propriété qu'on venait de donner là. Donc ça fait X0, espérance de moins AT, exponentielle de moins AT plus θ. Facteur de moins exponentielle de moins AT plus espérance de l'intégrale de 0 à T exponentielle de A S moins T DB S. Mais on l'a dit, on va le démontrer plus tard, l'espérance d'une intégrale stochastique est égale à 0. Donc tout ceci donne 0. En conclusion, espérance de XT, c'est X0 exponentielle moins AT plus θ facteur de 1 moins exponentielle moins AT. Voilà l'espérance de ce processus stochastique. De même, si on veut déterminer la variance de ce processus stochastique, nous aurons variance de XT qui sera variance de tout ce paquet-ci. Comme on l'a dit, ceci n'est pas aléatoire. C'est-à-dire que ceci n'est pas aléatoire. Tout ce paquet-ci n'est pas aléatoire. Mais c'est ce paquet qui est aléatoire parce qu'il y a le brownien à l'intérieur. Par conséquent, variance, on l'a dit, de alpha plus XT, c'est seulement variance de XT. On l'a dit que variance de XT plus alpha, c'est juste variance de XT. Alpha disparaît. Donc ceci va disparaître. Il va nous rester exactement variance de la quantité aléatoire, donc intégrale de 0 à t, exponentielle, dBs. Voilà. Autre petit rappel, c'est que la variance d'une variable aléatoire, c'est l'espérance du carré de cette variable aléatoire moins le carré de l'espérance de cette variable aléatoire. Donc, autre rappel, la variance de x, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. N'est-ce pas? Vous avez dit que variant de ce monsieur, c'est espérance du carré de ce monsieur moins l'espérance de ce monsieur au carré. Donc, nous aurons donc espérance de l'intégrale de 0 à t exponentielle a facteur de s moins t dbs, comme ceci, au carré moins l'espérance de l'intégrale de 0 à t exponentielle de a facteur de s moins t dbs, comme ceci, le tout au carré. Or, on vient de voir que l'espérance d'une intégrale stochastique était nulle. Donc, ceci donne 0. Ça veut dire que la variable de ce paquet-ci, c'est simplement ceci. C'est l'espérance de l'intégrale. Le carré est exactement sur... Le carré n'est que sur la quantité interne, là. La quantité à l'intérieur. Voilà. C'est l'espérance de ce paquet. On va utiliser donc une propriété, voilà, un lemme. C'est une formule appelée isométrie d'Itô. N'est-ce pas? Donc, on fait une vidéo pour essayer d'expliquer comment l'isométrie d'Itô fonctionne. Donc, on fait
c'est-à-dire que nous allons utiliser l'isométrie d'Itô. L'isométrie d'Itô dit que si j'ai cette écriture, on va continuer, hein, c'est une parenthèse. L'isométrie d'Itô dit que si j'ai variance de l'intégrale, non, pas variance, si j'ai espérance, n'est-ce pas, de l'intégrale de 0 à t de xs dbs au carré, comme ceci, alors ceci est égal à l'espérance de l'intégrale de 0 à t de valeur sur de xs au carré dds. C'est-à-dire que b disparaît pour laisser la place à s, et le carré qui est en haut là vient se mettre exactement sur xs. C'est ce qu'on va utiliser ici. Isométrie dit d'Itô. Mais rappelons que ceci, sans perdre de vue, c'était variance de xt, simplement. Donc, en utilisant l'isométrie d'Itô, on va constater que variance donc de xt, c'est quoi? C'est espérance. Le carré à venir se mettre là. Donc, c'est l'intégrale de 0 à t exponentielle de 2 à facteur de t de s moins t. Donc, facteur de s moins t ds. Le carré n'est plus partout là, mais il est venu se mettre là. Et on sait que exponentielle de x au carré, c'est encore exponentielle de 2x. Il n'y a pas de différence. C'est pour ça que le 2 est venu se mettre là. Voilà. Et ceci n'est plus aléatoire. Ceci vaut exactement intégrale de 0 à t exponentielle de 2 à facteur de s moins t ds. Qu'on peut calculer aisément, sans problème. Donc, pour ne pas rendre la vidéo très très longue, on va s'arrêter là. Mais il s'agissait ici de démontrer, voilà, de calculer la variance, l'espérance d'un processus stochastique dit de Hochstein-Uhlenbeck. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons prendre d'autres processus stochastiques et nous allons essayer de les manipuler encore. Merci.